Salut les amis, là c'est Jackie. Aujourd'hui je fais la cour du château. Il y a un truc spécial pour la Croix-Rouge aujourd'hui. Donc je monte et c'est jusqu'à 18h ce soir. Donc voilà, on montre bien que c'est la Croix-Rouge. Attends, je balaye juste un petit coup là. On monte les gens, tous les bénévoles qui œuvrent pour cette belle journée. Hein, qui est pas le rail. Et là, c'est là où vous la connaissez tous, c'est Aurélie qu'on présente plus. Elle a déjà fait tellement de choses en Brumath, enfin, elle était déjà partout, quand même. Et aujourd'hui, tu es là, tu représentes de nouveau la Croix-Rouge. Alors, explique-moi un peu le principe de la Croix-Rouge, que les gens sachent un peu plus pourquoi tu le fais, quelles sont tes motivations, et bien sûr que c'est du bénévolat complet. Hein. Oui. Ça, faut jamais l'oublier. Donc, explique-nous un peu ton engagement. Alors, je me suis engagée à la Croix-Rouge ben, pour aider les autres. Hein. C'est quelque chose... En fait, c'est formidable parce qu'on peut... petit geste hein, et on peut aider beaucoup de personnes dans différents alors la Croix-Rouge et dans le social donc avec les vestiboutiques hein, notre vestiboutique qui vous accueille le mercredi et le samedi hein, et c'est ouvert à tout le monde hein, vous pouvez venir déposer des choses ou venir acheter des choses, il y a plein de trucs et vous avez aussi donc le secourisme, alors voilà, la Croix-Rouge fait du secourisme donc sur Strasbourg, à Brumath il n'y en a pas, et la formation, donc il y a aussi la formation. Donc formé aux gestes qui sauvent, voilà, la Croix-Rouge offre une possibilité de choses à faire, plein de choses. En gros, quelque part, on leur apprend les premiers gestes comme les sauveteurs secouristes. Voilà, c'est ça, les premiers gestes qui sauvent, les numéros d'urgence à appeler, voilà, des petites choses comme ça. C'est toujours bon à savoir. La prévention aussi. Après, la Croix-Rouge, c'est à l'international. Hein, y a la Croix-Rouge est présente dans tous les pays du monde. Voilà, c'est quelque chose qui est très grand. Ça vient de Henri Dunant. Hein, c'est voilà. Donc c'est Henri Dunant qui a créé la Croix-Rouge. Mm-hmm. Il y a en 1865. Ah ouais, donc c'est pas. Donc ça voilà, ça date. Hier, hein, ça date. Ouais, ouais. Et voilà, c'est parce qu'en fait, il est arrivé sur un champ de bataille et les blessés étaient en train de mourir. Et personne, il n'y avait pas de personne qui était là pour aider ces gens qui étaient blessés. Ah ouais. Et chaque camp. Soigner, c'est les gens de leur camp. Et donc lui, il a créé quelque chose pour sauver tout le monde. Hein. Il ne faisait pas de distinguo, il n'y a pas de différence. Ouais. On ne fait pas de différence, quelle que soit la personne. On est là pour essayer tout le monde. Voilà. Quel que soit... Donc on peut vraiment dire que c'est vraiment un don de soi complet. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, justement, la Croix-Rouge, au monde de nouveau, voilà. Aujourd'hui, il y a un peu manifestation un peu spéciale. Voilà, donc en fait, on a profité de la buvette des associations hein, pour être présente donc, cet après-midi. On vous accueille donc de 15h à 18h. Ouais. Et il y a petite restauration, gâteaux, crêpes, des jeux pour les enfants. Voilà, des jeux, justement, il y a des paniers de jeux. Hein. Il y a des balles, il y a des boules de pétanque en plastique, il y a pas mal de choses. Ouais. On a aussi fait une petite tombola avec 1 € symbolique, hein, pour, avec les jeux pour enfants. Il y a des tombolas pour adultes, il y a de tout. Et il y a pas mal de choses aussi. Mais je balaye juste le côté, je montre un peu aux gens là. Voilà, il y a toutes ces belles choses là. Donc tout ça, ça fait partie des tombolas, c'est ça? C'est les tombolas pour enfants. Ah, c'est les tombolas pour enfants. Ah, il y a même des trucs PS3, ça vaut cher, ça vaut 60 €, ça. Hein. Je dis juste. Oui. Donc pour 1 € tu peux gagner un cadeau à 60 €. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est excellent. Et puis les enfants peuvent choisir leur lot. Ah, ils peuvent choisir en plus. Voilà. Les enfants choisissent le lot qu'ils veulent. Ah, c'est super. Les adultes, il y a un petit numéro, hein. C'est surprise. Et les enfants peuvent choisir. Super ça. Donc, on vous attend tous très nombreux. Moi, je dis que c'est quelque chose de magnifique en même temps. Aurélie nous a fait une belle leçon d'histoire parce qu'elle m'a appris pas mal de choses que je ne savais pas. Parce qu'elle a forcément tous envie d'ouvrir un bouquin et chercher d'où viennent les origines. Et grâce à ces quelques explications, maintenant, là, c'est beaucoup plus. Donc, c'est à la cour du château jusqu'à 18h ce soir. C'est le forum des associations. Donc, je pense également remercier la ville qui a mis tout ça à disposition. Je peux même dire qu'avant, il y a Ariane, un pisciliste qui est passé pour voir si tout se déroulait bien. Et c'est autre chose sur le qui-vive, pour voir si tout marche bien. Et comme je t'ai habitué, j'ai rien que ça, t'as regardé, t'as rigolé. Et comme je t'ai habitué, je me fasse, moi, au scout, salut, pis somme.